Ces femmes sont venues de tous les villages et hameaux de l'arrondissement de Larotan pour réfléchir sur des initiatives qui assurent leur autonomie économique. À travers des causeries à bâtons rompus, elles ont jeté les bases de cette indépendance. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Nous, femmes militantes de l'Union progressiste sur le renouveau de Larotan, avons décidé de célébrer en convivialité cette journée dans l'arrondissement de Larotan. Nous avons retenu pour thème l'autonomisation de la femme. Nous remercions nos leaders politiques qui nous ont accompagnés et que vive la femme. Cette initiative a été soutenue par le professeur Fernand Baguidi, conseiller à la RAG. Empêché, il a envoyé un message de félicitations à ces femmes qui ont compris qu'elles ne doivent pas vivre indéfinitivement au crochet des hommes. Avis partagé par Bonaventure Afflé, qui, au nom de l'Union progressiste, le renouveau, trouve que l'autonomisation des femmes est un préalable au développement durable. Les militantes, les Amazones, militantes Union progressiste, le renouveau de la Larotan, ont décidé de marquer cette journée d'un cachet spécial. Et nous avons choisi de les soutenir, de rester à leur côté pour parler. Vous voyez, elles ont décidé d'être autonomes elles-mêmes. Et nous avons vu leurs raisons très utiles pour être à leur côté. C'est le lieu de remercier l'honorable Nikès Fayon qui a voulu soutenir l'événement et qui a pris en charge une partie de logistique. Et le professeur Fernand Baguidi, conseiller à la HAC, et aussi le premier adjoint au maire, Dominique Kakesouli. Mais je ne cesse pas de saluer les femmes amazones, le bureau, le comité d'organisation et les hommes qui ont accepté de rester aux côtés des femmes en cette grande journée. Loin de Larotan, ce sont les femmes en service dans les écoles maternelles et primaires, privées et publiques de Savalou qui célèbrent avec une connotation intellectuelle la journée des droits de la femme. Au menu des échanges, le rôle de la femme dans le développement rural. Nous, femmes enseignantes de Savalou, nous avons l'habitude de célébrer cette fête toutes les années. Et pour célébrer cette fête, nous avons l'habitude de développer un thème. Le thème de cette année, c'est le développement, le rôle de la femme dans le développement d'une nation. C'est notre thème de cette année. Sans la femme, d'ailleurs, il n'y a rien dans cette vie. La femme, nous sommes les premières dans ce monde. Sans femme, rien ne peut marcher. Aucun développement ne peut être durable lorsqu'on laisse les femmes de côté. Et je peux déjà dire que le président de la République, le président Talon, a compris et a commencé par faire la promotion d'assez de femmes. Après une messe d'action de grâce à l'église catholique Saint-Antoine de Padoue, elles ont élu domicile au bar-restaurant La Révélation pour un moment de grande réjouissance.